أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد كما تحب وترضى اللهم لك الحمد كما تحب وترضى اللهم لك الحمد كما تحب وترضى سنة. Donc le thème de ce soir sur la question de l'abstention active. Abstention donc à des élections présidentielles, on ne peut pas l'aborder que de cette manière, comme ça directement, sans revenir un peu en arrière. Il faut savoir que les personnes ici présentes, ou certaines personnes ici présentes, qui appellent justement à ne pas voter, pas à voter blanc, hein, à ne pas voter, ce sont des personnes qui, 20 ans auparavant, ont lancé des campagnes pour que les jeunes et les moins jeunes issus de la communauté ou de la communauté musulmane s'inscrivent dans les listes électorales. 20 ans auparavant, nous étions en train de, dans le cadre d'un collectif national, nous travaillons à ce que les gens, à ce que les jeunes dans les quartiers aillent, puissent aller voter. Et à l'époque, les inscriptions dans les listes électorales n'étaient pas automatiques. Donc on se battait à l'époque pour que les jeunes puissent aller voter et aillent s'inscrire sur les listes électorales. C'était il y a plus de 20 ans en arrière. Aujourd'hui, on est dans une position totalement opposée. C'est cohérent, même si ça ne le paraît pas, c'est cohérent. Il y a 20 ans, il y a plus de 20 ans en arrière, il y avait un véritable problème au niveau de notre sentiment d'appartenance à ce pays. Les gens se sentaient étrangers à ce pays, considéraient qu'ils n'avaient rien à apporter dans ce pays-là. Et il y avait un vrai problème, c'est trop fort, c'est trop d'écho. Et il y avait un vrai problème de sentiment d'appartenance. Il y avait un vrai problème de conscience citoyenne. Et pour nous, c'était important que les gens puissent valider, puissent concrétiser cette appartenance, cette conscience, à travers cet acte, qui est l'acte citoyen du vote, qui est un des actes citoyens, un des actes dits démocratiques. Pour nous, c'était important à l'époque. Aujourd'hui, pour deux raisons, fondamentalement, on aboutit à une position totalement opposée. On a évolué sur deux choses, principalement. Premièrement, sur la compréhension et sur la conscience par rapport à notre religion. Et deuxièmement, sur la compréhension et sur la connaissance du contexte dans lequel on vit. Ces deux raisons principales nous poussent aujourd'hui à avoir une position totalement opposée. La première, c'est que l'impératif, il est fondamentalement, il est essentiellement religieux. C'est vraiment cette conscience qu'on a actuellement. C'est qu'il est vrai qu'à une époque, pour nous, c'était il faut que la communauté musulmane apparaisse, il faut que la communauté musulmane soit présente, il faut que la communauté musulmane sorte de l'ombre et marque son appartenance à ce pays. C'était important. Aujourd'hui, la question qu'on pose, c'est notre appartenance à l'islam. C'est pas la communauté musulmane qu'on veut défendre. C'est cette foi. Et cette foi nous dit qu'on est témoin sur terre. C'est-à-dire qu'on n'est pas... Le message que nous portons, ce n'est pas un message pour les musulmans. C'est un message pour l'humanité. C'est un message de conscience. Et ce message de conscience dit qu'en tant que musulmans, tout ce que nous faisons a un sens. Et aujourd'hui, on se pose réellement la question du sens. La question du sens, elle dépasse de très loin la question lobbyiste ou la question de la protection de la communauté. Aujourd'hui, ce qu'on pose fondamentalement... C'est vraiment la question d'un système qui est en train de nous perdre, pas nous musulmans, mais qui est en train de perdre tout le monde. Donc la question est beaucoup plus profonde. Deuxième point, c'est la question du contexte. C'est-à-dire que 20 ans, 25 ans, les choses ont beaucoup évolué, même s'il y avait les prémices il y a 20 ans. Il faut se poser la question sur la logique de ce qu'on appelle la démocratie représentative. Aujourd'hui, on se pose d'énormes questions sur ce système-là. Sur un système où l'économique prend le dessus, un système où des personnes qui se présentent à des élections peuvent avoir un programme et appliquer tout à fait le contraire. Un système où, en fin de compte, on nous demande d'élire des personnes qui ne décident plus. Et là, on est dans la mascarade. Et là, on est en train de nous tromper. Et en tant que musulman qui a une conscience, on n'a pas le droit de se taire. Et on n'a pas le droit de tomber dans ce qu'on appelle le moindre mal, de voter pour le moindre mal ou de voter parce qu'on doit montrer que... Actuellement, on a une foi, une spiritualité et une conscience citoyenne
qui nous oblige à avoir des actes de résistance. L'acte de résistance, c'est plus voter extrême gauche aujourd'hui ou voter extrême droite ou voter pour des candidats marginaux. L'acte de résistance, maintenant, c'est de ne plus voter. C'est de dire non et de tourner le doigt à ce système-là. Mais dire non, c'est agir. C'est-à-dire dire non, c'est agir. Ce n'est pas ne pas voter pour ne rien faire. C'est ne pas voter pour justement mettre en place des alternatives. Et la première alternative, c'est la résistance. C'est dire non. Et la première... et la résistance, c'est l'alternative. Et l'alternative, c'est la résistance. Et la résistance, aujourd'hui, c'est bien ça. C'est vraiment de dire non. Actuellement, on a été dans des débats dans 5 ans auparavant, c'était les élections de François Hollande. Et quand on nous disait que c'était un moindre mal de voter pour ce président-là, qui était peut-être le pire des présidents, c'est-à-dire, il n'y a jamais eu autant de guerres dans des pays musulmans orchestrées et avec la participation active des armées françaises. Il n'y a jamais eu autant d'attentats ciblés, illégaux, qui a été dirigé, dont l'ordre a été donné par ce président-là. La vente d'armes dans des pays en guerre, il n'y a jamais eu autant d'augmentation de vente d'armes. C'est-à-dire que maintenant, c'est 30% des exportations françaises. C'est devenu un fondement de l'économie française. Voilà à quoi on est arrivé en 5 ans. Et ça, c'est un processus qui datait de bien... qui est bien plus... Bien plus ancien, mais ce processus-là, il a perduré, il a été encore plus profond qu'auparavant. Et aujourd'hui, on ne peut plus. Mais quand on pense réellement, pas qu'on pense à notre petite personne, pas à notre petite vie de musulman dans nos maisons, dans nos quartiers, dans nos villes, etc. Quand on pense en tant que conscience, une conscience islamique aiguisée, une conscience islamique profonde, on ne peut pas se contenter d'un moindre mal. Aujourd'hui, il faut dire non et il faut travailler à des alternatives. Ce n'est pas possible de continuer dans cette voie-là. Ce n'est pas possible, quand on a pris conscience de ces choses-là, de dire qu'on va continuer à aller, en traînant des pieds ou à reculons, à aller voter. Parce que personne actuellement, autant il y a 5 ans, il y a 10 ans, quand on commençait à parler de ça, on se questionnait sur la question des élections, tout le monde se posait la vraie question. Autant maintenant, avec toutes les corruptions qu'on voit tous les jours, et avec toutes les... Et toutes les anomalies qu'on rencontre avec tous ces candidats qui ne font plus rire qu'autre chose, autant maintenant, tout le monde va voter à reculons. On peut dire non, on peut résister, et on peut proposer des alternatives. Et l'action que nous menons pour l'abstention active, l'action que nous menons, c'est premièrement, c'est pour engager un débat, au moins ramenons du sens. L'objectif, c'est pas de créer une polémique. L'objectif, c'est que pour ceux qui considèrent que un changement est possible, un changement profond est possible, ou que ça peut être s'étendre en cohérence avec nos valeurs islamiques, hein, pour ceux qui sont musulmans, bah, pour ceux qui le pensent et qui pensent que l'action de voter a du sens, eh ben, engageons le débat. Et engageons le débat sur le sens, sur la profondeur. Etc. Et pour ceux qui sont comme nous, qui pensent que ça n'a plus aucun sens de voter aujourd'hui, mais qui sont isolés, hein, de part et d'autre dans toute la France, eh ben, que ces gens-là arrivent à se réunir et à engager des véritables alternatives. Parce que dire non, ce n'est pas suffisant, il faut agir par la suite. Voilà, donc c'est le sens de notre appel. J'espère qu'il sera entendu comme il doit l'être, Inch'Allah, et on ouvre le débat, Inch'Allah. Barakallahu fikoum.